Salut les miraculeurs, c'est Blue, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale. Dans cette vidéo, je vais interviewer Antoine Thomé, la voix de Papy Ombre et Gabriel Agreste dans Miraculous, mais également il a fait d'autres séries, mais là on va un petit peu plus se concentrer sur Miraculous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite un excellent visionnage. Bah du coup, merci Antoine d'avoir accepté de venir pour cette interview, honnêtement c'est super sympa. Bah écoute, c'est un plaisir hein. Plaisir partagé. Bah du coup, moi je te propose de commencer par te présenter, voilà. Ben moi je suis ce qu'on peut appeler un artiste dans la mesure où je fais aussi bien du théâtre que de la musique, bon, pas mal de voix bien sûr, oui. Je tourne aussi dans des films, dans des courts-métrages, dans diverses choses, enfin, je mène ma vie de saltimbanque. Voilà. Dans le domaine artistique quoi. Voilà, tout à fait. Et pour le coup, c'est vrai que tu fais plein de trucs différents, quoi. Oui, oui, c'est vrai. On dit je fais feu de tout bois. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Enfin, je m'amuse dans ce domaine de l'art, si tu veux. Et j'y prends beaucoup de plaisir et j'y ai beaucoup de joie et d'émotion. C'est vraiment un super métier que j'adore. Mais pourquoi tu as choisi précisément le milieu de la comédie, de la musique? C'est quelque chose qui s'est fait un peu naturellement, tu sais. On va vers ce qui résonne en nous, si tu veux. On a en nous des choses et dans l'univers qui nous entoure apparaissent des éléments, si tu veux, qui nous font vibrer et qui nous appellent quelque part et vers lesquels on va. Et on est amené à se frotter à l'univers qui nous correspond, en fait. On essaye de devenir nous-mêmes et ça passe par aller dans le sens de nos talents, de nos aspirations, de nos désirs, de nos passions. Voilà, de nos passions, de ce qui nous fait vibrer, ouais. Tout à fait. Ok. Du coup, la prochaine question, c'est quelles sont les choses que tu aimes le plus dans ton métier et s'il y a quelques aspects que tu aimes un peu moins que les autres? Alors, dans mon métier, j'aime tout. En fait, je m'amuse énormément. Je fais plein de choses que j'aime, aussi bien la musique que le théâtre, que les voix. Il n'y a pas de truc que tu aimes un peu moins que les autres? Non, j'aime toutes ces choses-là, je les aime. Je suis assez comblé, en fait, en tant qu'artiste. Bon, bah, c'est génial, du coup. Oui, c'est vrai, je suis assez content de vivre cette vie que j'ai choisie, qui n'a pas toujours été facile, parce que... Ouais, j'imagine. Tu vois, au niveau de la survie, des gens qu'on rencontre aussi parfois, enfin, il se passe des choses un peu délicates, tu vois. Mais une fois que tu décides d'aller dans le sens que tu as choisi et que tu peux tirer ton épingle du jeu... Et en tirer plein de satisfaction, voilà. Et c'est ce qui se passe pour moi. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai, genre, les domaines artistiques, c'est pas aussi simple d'évoluer tout dedans. J'avais déjà dit ça dans une précédente interview, mais enfin, c'est pas comme, par exemple, si tu veux faire, je sais pas moi, un truc dans le marketing, genre, artistique, c'est compliqué, quoi, genre, de s'installer et tout. Oui, je pense que même quelqu'un qui est dans le marketing, il peut faire ça dans un sens un peu artistique. Je pense qu'on peut tirer, dans tous les domaines d'activité qu'on a, on peut tirer du plaisir et éventuellement même s'amuser à faire quelque chose, je pense, parce que quand il s'agit de communiquer avec les gens, c'est tellement riche la communication, c'est tellement créatif, tu vois, c'est vraiment des domaines de créativité, aussi bien dans le marketing que dans le domaine artistique, tu crées, parce que tu as une relation avec des gens, et voilà, il s'agit de résoudre des situations, il s'agit, voilà, je pense qu'on peut s'amuser dans tous les domaines d'activité qu'il y a sur cette planète. Et l'art en est un, mais je pense que tous les autres domaines peuvent être aussi abordés avec le même bonheur. C'est vrai. Je juste allumer ma lumière là, parce que j'ai même pas allumé en fait. D'accord. C'est un poil mieux quand même. Ok. Ok, on peut rentrer dans le doublage. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un peu de mal à faire un doublage en particulier? Et sinon... Un peu l'inverse de cette question, du coup, quels ont été tes projets préférés, si t'en as? C'est pas toujours extrêmement facile de doubler un personnage, par exemple, un comédien qui est très volubile, il va falloir pouvoir enchaîner les phrases en français, parce que donc nous, on parle en français, et il faut s'adapter sur la bouche du personnage, et parfois,
l'écriture du texte français n'est pas vraiment parfaite. Avec la traduction, etc. Voilà, c'est ça. Et donc, parfois, il s'agit de rectifier ce qui a été écrit pour l'adapter dans la bouche du personnage. Et en même temps, il s'agit toujours de restituer l'émotion qu'il a déjà, lui, si tu veux, déployée en jouant. Tu vois, donc il faut vraiment être attentif à plein de choses différentes. Et à la fin, ça ne doit pas se sentir que ça a été ouais. Différent. C'est-à-dire que, parce qu'on fait ça pour les gens, hein, faut pas se leurrer, on fait ça pour le public, et donc il faut que ça soit parfait. Et donc parfois, c'est un peu délicat, à cause de tout ce que je viens de te dire. Il faut vraiment contrôler plein de paramètres différents, et qu'à la fin, ça soit fluide, et que le comédien, donc américain ou anglais, ou je ne sais trop quel, tu vois, allemand, parle un français très fluide, et développe les mêmes émotions avec la même justesse que ce qu'il avait fait dans l'original, si tu veux. Donc c'est ça, si tu veux, l'enjeu de notre travail. Il faut que ça soit fluide et que ça semble sortir de lui. Tu vois, il faut qu'on pense que c'est vraiment lui qui parle. Il ne faut pas que ça soit bizarre, quoi. Voilà, il faut que les gens reçoivent les mêmes émotions, si tu veux. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre ce qu'il avait fait au départ et ce qui est restitué, bien que ce soit en français et donc pas dans la langue originelle. Il faut que ça soit juste. Comprends-tu ? Bah oui, évidemment, évidemment. C'est une petite affaire, c'est pas toujours facile. Et du coup, est-ce que t'as des projets qui t'ont marqué particulièrement ? Tous les trucs que j'ai faits m'ont intéressé à des degrés divers, mais j'ai toujours été passionné par ce travail, en fait. C'est un travail passionnant, vraiment. Mais je te comprends. Hein. Ouais, tu t'investis dedans complètement. Et en tant que comédien, tu vois, t'as vraiment plein de petites choses à faire, tu vois, des petites nuances à installer, t'as plein de... C'est vraiment un beau travail, quoi. C'est vraiment un travail d'artisan, un artisan vocal, voilà, c'est ça. On est des artisans vocaux. Très belle métaphore. Non, mais tu vois, moi, par exemple, des fois, je m'amuse à faire des doublages pour rigoler sur ma chaîne, parce que, bon, j'ai jamais fait de théâtre ou des trucs comme ça, donc je suis pas très bon. Mais vraiment, je trouve ça trop kiffant, enfin, je sais pas, genre, te mettre dans un personnage et tout. Et bah, à chaque fois, je m'amuse à faire un peu des trucs différents. Et je sais pas, j'adore, ça me fait voyager et tout, enfin, je trouve ça vraiment passionnant, quoi. Ben c'est ça, ouais, t'es au début du truc, là, c'est bien. Peut-être, je sais pas. Bon, après, je sais pas, ça me ferait kiffer honnêtement de faire comédien de voix, mais je pense pas que, voilà, honnêtement, je fais ça juste comme ça, mais on sait jamais, tu vois, on sait jamais. C'est toi qui vois, hein, si tu sens que, tu vois, si t'as le désir de faire ça, si tu sens que c'est quelque chose, c'est une voix pour toi, ben, faut y aller, hein, faut essayer, pourquoi pas. Je continuerai à faire mes doublages amateurs, et puis on verra bien. Voilà. Ensuite, une question assez croustillante. Comment est-ce que t'es arrivé sur le projet de Miraculous ? Bah, j'ai passé un casting, tu sais, c'est souvent le cas. C'est souvent comme ça que ça se passe. J'ai passé un casting pour ce personnage. Et en fait, j'ai été choisi. Un casting, ça veut dire qu'il y a plein de comédiens qui défilent. Et puis après, la production choisit la voix qui leur semble correspondre le mieux personnage, et ils m'ont choisi moi, donc youpi. Ouais, ils ont bien choisi, hein. Mais du coup, tu l'as vu où le casting, genre ? On m'avait contacté directement. Ah oui, ok. Si tu veux, je suis un comédien, et donc ils m'ont choisi aussi. Si tu veux, ils ont fait passer le casting à des comédiens dont la voix pouvait correspondre au personnage, tu vois. Ouais, c'est pas toi qui es allé, tu vois. Non, c'est eux qui m'ont contacté parce qu'ils pensaient que peut-être avec ma voix, je pouvais correspondre. Et ils ont contacté plein d'autres comédiens dans le même esprit, si tu veux, des comédiens avec des voix... Un peu graves. Voilà, un peu comme la mienne, ou j'en sais rien, tu vois. Il se trouve que c'est moi qui ai gagné. J'ai fait plein d'autres, il y en a que j'ai perdu. Tu vois, c'est comme ça. On est toujours un peu sur... rien n'est vraiment acquis, jamais. Et ça fait partie du... justement de l'intérêt de ce genre de métier, c'est que c'est une aventure, totale, et qui ne s'arrête pas d'être une aventure, tu vois. On est vraiment toujours, pas en danger, mais... T'es jamais sûr à 100% que toujours ça va se passer bien. C'est toujours un peu, tu sais pas, tu vas peut-être faire ça ou pas, tu fais un casting, tu le rates, bon. Ah, ça peut arriver, hein. Voilà, tu pensais vraiment être le meilleur, et puis en fait, bon, on te dit, ben non, on a choisi quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est vraiment une aventure totale. Tu perds, tu gagnes, voilà. Comme la vie, finalement.
Absolument, absolument. Question suivante, est-ce que maintenant voilà, que tu as un petit peu d'expérience quand même dans Miraculous, on est rendu quand même à la saison 4, est-ce que tu aimes bien la série ou est-ce que tu la regardes ou voilà, est-ce que tu es juste vraiment plus juste sur le doublage? Écoute, tu sais comment ça se passe un doublage? Bah, j'imagine qu'on te met les scènes devant toi, et... enfin juste ouais, les scènes de ton personnage. Tu passes uniquement les scènes de ton personnage. Tu es seul à la barre. Et tu fais toutes les scènes de ton personnage sur les épisodes qui sont traités ce jour-là. Donc tu n'as pas une vision d'ensemble de l'épisode. Mais moi j'aime bien cette série parce que voilà, j'aime bien le côté tonique, tu vois, il y a plein de rebondissements. Donc c'est sympa, c'est très sympa. C'est une série sympa. C'est vrai, c'est vrai que finalement pour une série d'animation, il y a quand même des thèmes et tout importants, des dilemmes. Enfin, oui, voilà. Il y a des quand choses un certain enjeu. Un peu grave parfois, tu vois, ce qui se passe entre Gabriel Agreste et sa femme, tu vois, et son assistante. Enfin, tu vois, il y a plein de choses un peu. La manière dont il traite son fils parfois, bon. Oui, voilà. Comment ça se passe, genre une session d'enregistrement pour Miraculous? Tu l'as déjà un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que par exemple, bah tu l'as répondu aussi, j'allais dire, est-ce que tu doubles les épisodes à plusieurs quand il y a des dialogues entre deux personnages par exemple? Est-ce que vous doublez dans l'ordre ou vous doublez dans l'ordre qui vous arrive? Est-ce que vous doublez quand la production d'un épisode elle est terminée à 100% ou parfois il vous arrive de prendre de l'avance sur des versions non finales? On double à partir du moment où l'épisode est complet, si tu veux, ils ont terminé. Parfois, au niveau du dessin, c'est pas complètement terminé. Ouais. Donc, on a des dessins qui sont pas, tu vois, coloriés, par exemple. Mais l'épisode est terminé dans le sens que l'histoire a été bouclée, ouais. Voilà, voilà. Et donc, tu doubles exclusivement tes scènes à toi. Et tu es seul à la barre. Voilà. Et tu les fais dans l'ordre. Depuis le début de l'épisode jusqu'à la fin. Parce que comme ça, tu peux toi-même dans le tempérer. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu comprends ce que tu fais, quoi. Parce que imagine que tu commences par doubler la fin. Ouais, c'est bizarre. Donc, t'es un peu. Voilà. Alors que là, si tu veux, tu comprends la logique de l'épisode et tu progresses en fonction de la progression logique de l'épisode. Voilà. Du coup, ça doit faire bizarre, genre, quand tu parles à quelqu'un et que finalement, t'es tout seul. C'est un travail de comédien, c'est-à-dire que tu dois te mettre dans le personnage. C'est-à-dire que tu incarnes un personnage, tu vois. Et donc. Tu dois réagir en fonction de la situation, donc, et tu réponds à ceux qui te parlent en fonction de ce que toi tu perçois, donc de l'énergie qu'ils dégagent, tu vois, du caractère, de toutes sortes d'éléments qui sont là. Et tu te bases donc aussi sur les mouvements de son visage, tu vois où il en est, tu vois quelle émotion il déploie, enfin, toutes ces choses-là, tu les vois et tu agis en fonction de ça. Tu mets ta voix dans le personnage. Fonction de ça, tu l'incarnes. Ouais, il faut vraiment se mettre dans la peau, quoi. Il faut se mettre dans la peau, absolument. Ça, c'est un truc de base, c'est un élément clé du doublage et du théâtre, d'ailleurs, et du travail de comédien, en fait. Il faut vraiment que tu incarnes ton personnage à fond. Voilà, tu es le personnage. Que penses-tu de ton personnage? Est-ce que tu aurais des points communs avec lui, des similitudes? On a tellement de choses en nous. Bien sûr, je peux trouver des sortes de résonances avec Gabriel et avec Papillon, bien sûr, oui. Mais ça, c'est un peu intime aussi, tu vois. Mais le travail de comédien, comme je te le dis, c'est d'incarner un personnage. C'est-à-dire que c'est pas forcément un personnage qui te ressemble vraiment, mais c'est un personnage que tu investis, si tu veux. Tu deviens lui. C'est-à-dire que c'est ta création de comédien, tu le crées. Tu le crées et tu es ce personnage. Et voilà, c'est un travail de comédien, en fait. Voilà, j'imagine que tu n'auras pas la réponse, mais je vais la dire au cas où. Par exemple, dans l'épisode 1 de la saison 4, du coup, c'était Vérité. Quand Papillon Brice transforme, il dit Nourou Doussou Amalgame. Et dans les épisodes d'après, il dit plus Amalgame, à la place, il dit double transformation. Est-ce que tu sais pourquoi ça a changé ou pas du tout? Bah justement, il y a des évolutions, oui, par rapport à tout ça. Il évolue, c'est un personnage qui évolue dans sa manière d'aborder son univers... je dirais magique. Il y a une évolution, mais je peux pas trop en parler de ça, si tu veux. C'est... Ouais, pas de souci. C'est des secrets de... Il se passe des choses. Il se passe des choses et vous allez en découvrir d'autres. Ok, bon, bah, on a hâte de voir ça. Hein. Voilà.
Genre la voix de Papy Ombre, ou Papillon, ça dépend, elle possède un aspect un peu maléfique, genre c'est pas exactement la même que Gabriel. Est-ce que c'est toi vraiment qui fais une voix différente, ou est-ce que c'est vraiment juste des effets spéciaux, ou peut-être un mélange des deux? Assieds-toi, Adrien. Tu aurais dû me faire confiance. Notre relation doit être basée sur la confiance. Ladybug est Marinette, la camarade de classe d'Adrien. Enfin, je la tiens. Un jour, je t'aurai, Ladybug. Je fais une voix différente, effectivement. Parce que là, si tu veux, il est plus tout à fait le même que quand on est Gabriel, si tu veux. Il est lui-même, il est comme habité, tu vois, par le papillon. Il est le papillon, bien sûr, mais le papillon, c'est plus tout à fait Gabriel. C'est une sorte de surhomme à partir de Gabriel, tu vois. Il est au-dessus. Supérieur, tu vois ce que je veux dire. Donc, il est un peu dépassé par ça. Enfin, papillon dépasse Gabriel, si tu veux. Il a un côté effectivement un peu maléfique, c'est clair. Vraiment, le côté, la voix comme ça, moi, je suis trop fan. Genre, c'est tellement... ça te prend, là. C'est vraiment incroyable, je trouve. Ah bah, écoute, super. C'est le but. Alors, combien de temps ça prend environ en moyenne pour faire un épisode? Après, ça peut sûrement varier, mais... Bah, des fois, on fait deux épisodes par jour ou trois épisodes par jour. En ce qui me concerne, ça peut durer une demi-journée. Très précis. Parfois, c'est moins. Hein. Ouais, ça dépend après de ce qu'il y a à dire aussi. Ouais, ça dépend du nombre d'épisodes qu'on fait dans la journée, ça dépend de... Par exemple, dans l'épisode Gabriel Agreste, ça devait être sûrement plus long que certains, hein, vu qu'il apparaissait quasiment tout le temps, quoi. Oui, c'est ça, il y a des épisodes où il a plus de texte, il est davantage présent, donc forcément... Ouais, ça dépend, quoi. Voilà, absolument. En gros, il y a un rap du papillon qui a été fait en anglais. Et je sais pas, il n'y a pas eu de version française. Vu que tu sais chanter, je me suis dit, est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas eu de version française? Ou est-ce que tu n'étais même pas au courant qu'il y avait ce rap? Je sais qu'on a fait des choses où j'ai chanté, mais c'était à partir d'un truc espagnol, je crois. On a fait une version chantée, oui. Mais c'était pas vraiment un rap. Donc je sais pas, peut-être que ça va venir dans un autre épisode que nous n'avons pas encore fait, je ne sais pas. Non, parce que vraiment la chanson, moi je l'ai trouvée trop cool. Du coup j'aurais bien aimé qu'il y ait une version française, mais bon, c'est pas grave. Il y en aurait peut-être une, hein. Tu sais, c'est pas du tout exclu. On verra bien. Tout repose entre les mains de la production, tu sais aussi. Oui. Voilà, nous on fait... C'est pas toi qui décide. Non, c'est pas moi qui décide. Donc là c'est une question, je pense, qui va vraiment intéresser pas mal de gens. Est-ce que tu aurais des conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le milieu du doublage ou de la voix off ou voilà, l'art en général, la comédie? Comme je te l'ai dit, c'est un travail de comédien. Donc déjà, il faut acquérir des bases en tant que comédien. Il peut faire des cours de théâtre, il peut commencer déjà à travailler dans ce domaine-là. Et puis, il y a des stages de doublage. Tu vois, une fois qu'il a un peu démoulé tout ce travail de comédien, il peut se diriger vers un stage de doublage. Et travailler avec les gens qui le dirigeront. Et en général, c'est des bons professionnels qui organisent ces stages, qui connaissent le métier. Souvent, c'est des directeurs de plateau qui peuvent, à la suite du stage, le brancher sur des petits rôles ou des trucs comme ça. Donc, pour commencer. Voilà. Mais à la base et avant tout, il faut savoir que c'est un travail de comédien. Qu'il faut vraiment acquérir les bases de ce métier. Du théâtre, non? Oui, absolument. Faire du théâtre. Un comédien, c'est quelqu'un qui contrôle les émotions, qui manie les émotions, qui communique des émotions. C'est-à-dire que tu dois créer au sein du public l'émotion que ton rôle véhicule. Tu dois vraiment communiquer l'émotion. Là, on va passer aux questions que j'ai prises de mes abonnés. Voilà, je leur ai demandé s'ils avaient des trucs à demander en particulier. Alors ça, c'est une question intéressante, je me demande bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te reconnaisse, par exemple, dans la rue pour une voix que t'as fait? Oui, ça m'arrive souvent, oui. Je me souviens que même j'avais été faire une déposition dans un commissariat. Je ne vais pas très comprendre. Non. Mais le commissaire, il m'a dit, mais attendez, mais votre voix, mais je vous connais. Il m'avait reconnu parce que j'ai doublé un personnage dans un jeu vidéo et Splinter Cell, je ne sais pas si ça dit quelque chose. J'ai joué le rôle d'un des deux personnages principaux et donc il a reconnu ma voix parce qu'il a joué. C'est incroyable.
Mais sinon, ça arrive souvent, oui. Même quelqu'un, je sais pas, je viens de faire mes courses et je passe à la caisse et je dis quelques mots et la vendeuse me dit oh, mais vous êtes la voix de. Ah, mais vraiment, mais ça doit être trop, trop cool. Bah ouais, c'est super rigolo. Mais en plus, genre, ça se trouve, ben, les personnes, ils t'ont jamais vu et ils te reconnaissent juste à la voix, genre. Voilà, c'est ça, oui. Ils reconnaissent la voix. Non, mais en même temps, ta voix, genre, elle marque. En plus, t'as fait plein de trucs différents. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent forcément de moins un truc. Oui, c'est vrai que ça fait un moment que je suis sur dans ce métier. Effectivement, j'ai fait pas mal de choses. Genre, par exemple, moi, il y a quelques jours, là, j'étais à la télé, j'entends une pub d'aspirateur Roventa. Roventa présente X-Force. Ah et je suis sûr que c'était ta voix. Je l'ai reconnue. Mais... Bravo, bravo. J'étais en mode, quoi? Bah oui, c'était bien moi, oui. Je vends des aspirateurs aussi. Est-ce que t'as un épisode de Miraculous préféré? J'ai pas d'épisode préféré, parce que c'est un personnage qui... Il y a plein de... Ça s'inscrit dans la durée, si tu veux. C'est vraiment une histoire qui a plein de facettes et qui se développe encore. Il y a plein de choses à venir encore. J'aime bien l'histoire en général. C'est dramatique, l'histoire de sa vie. C'est sûr. Et puis, ses motivations sont assez terribles, tu vois. Et tout ça lui donne un aspect... je m'attache bien à ce personnage à cause de tout ça, à cause de cette profondeur, si tu veux. Quelle a été la séquence la plus difficile à doubler sur Miraculous, s'il y en a une? Écoute, comme je te l'ai dit, même quand c'est un peu difficile, c'est passionnant. Donc, c'est jamais difficile dans le sens douloureux, tu vois. Même quand c'est difficile, si tu veux, c'est passionnant. Tu vois, parce qu'on corrige des petits trucs. Là, il faut changer un peu le texte pour que ça rentre dans sa bouche, tu vois. C'est des choses qui nous passionnent. Donc, s'il y a des difficultés, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir, c'est que du bonheur, tu vois. C'est comme un mécanicien qui a un petit problème à résoudre. Il est vachement content parce que, justement, ça lui permet de trouver d'autres choses, tu vois, d'aller... De s'améliorer. Tu vois, il sort sa boîte à outils et puis... Étant donné la notoriété de Miraculous, est-ce que, par exemple, t'as pas le droit, enfin, t'as un contrat qui t'exclut, par exemple, de doubler certains trucs ou t'es vraiment libre de faire tout ce que tu veux? Je peux faire ce que je veux, mais en revanche, il y a un truc qui est assez délicat, c'est qu'il y a plein de... Je reçois des centaines de communications de gens du public, si tu veux, qui me demandent des dédicaces avec la voix de Gabriel Attal, de Miraculous. Ça, je peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce qu'il faudrait l'autorisation de la production, tu comprends? Je ne peux pas parce que c'est pas... Ce personnage a été créé et je le double, mais je ne le possède pas. Il est possédé par les gens qui l'ont créé. Tu vois, moi, je ne fais que l'investir de mon travail de comédien, mais je ne peux pas faire de dédicace avec sa voix parce que ça serait, comment dire, même illégal. Tu vois, je risquerais... Ouais, c'est compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ça c'est un aspect donc qu'il faut vraiment souligner. Alors là, c'est une question que je me suis moi-même posée un jour d'ailleurs. Comment on peut faire du doublage si on n'a pas une voix qui sort de l'ordinaire? Écoute, il y a plein de personnages qui ont des voix neutres, hein, tu sais, dans les films. Tu sais, des fois les directeurs de plateau, ils cherchent une voix qui justement n'est pas trop particulière. Avoir une voix particulière, c'est parfois un handicap. Ouais. Moi, par exemple, il y a plein de rôles que j'aurais voulu faire, peut-être, mais que j'ai pas pu faire parce que j'avais une voix un peu trop particulière, tu vois, un timbre un peu trop particulier. Et ces personnages ont été doublés par des comédiens qui avaient une voix un peu plus anodine que la mienne. Je veux pas dire que... Ouais, donc c'est pas un frein. Voilà, je veux pas... Mais tu vois, ils avaient une voix avec moins de caractère que la mienne. C'est parfois important d'avoir une voix qui a moins de caractère. Il y a vraiment beaucoup de personnages qui nécessitent une voix un peu neutre, tu vois. Moi, je pense que ça m'en rassurait plus d'un. Oui. Alors, combien, par exemple, tu dois faire de prises à peu près pour avoir la séquence parfaite? Genre, j'imagine, ça se fait pas d'une traite. Enfin, tu dois répéter souvent plusieurs fois la même phrase. Des fois, ça se fait du premier coup, hein. Ça dépend. Ouais, ça dépend, oui. Des fois, il y a des petites nuances qui manquent, donc on recommence. Des fois, c'est pas tout à fait ça. Des fois, ça prend du temps, et puis des fois, pas. Bah, c'est très variable.
c'est très variable. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? Est-ce que, par exemple, tu as un réseau social ou un site? J'ai un site internet sur lequel vous pouvez aller, antoinetom.com. Je le mettrai quelque part. Ouais, ok, bonne idée. En 2022, il y aura un film qui s'appelle Miraculous Awakening. Et est-ce que tu sais si tu feras la voix de Gabriel dedans? Bah tu vois, tu en sais plus que moi. Hein. Ah bon? Tu savais même pas? Non, j'étais pas au courant. Je t'avoue que je sais pas. Ok, donc ça sera la surprise. C'est un film animé aussi, ou tu sais pas? Ouais, c'est en animation. Bon, a priori, ça devrait être moi. Oui. Maintenant, je sais pas quelle sera la décision des producteurs. Hein. Parce qu'après, des fois, ça peut changer, vu que c'est pas exactement pareil. Mais a priori, ça devrait être moi, si c'est le même papillon. Oui, ce sera Gabriel. Bon, on espère que ça sera toi. Hein. Bon là du coup j'imagine, vu ce que tu m'as dit avant que tu pourras pas le faire, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, est-ce que tu pouvais dire le mot saperlipopette avec la voix de Papillon? Ça m'a fait beaucoup rire, du coup je l'ai mis, mais t'as pas le droit d'utiliser sa voix, j'imagine que tu peux pas. Oui, mais bon, écoute, regarde plutôt les épisodes, comme ça tu verras en situation, tu verras Papillon en situation et tu vois saperlipopette. Oh mon dieu! Mais peut-être qu'un jour, en tant que papillon, je dirais saperlipopette. Ah, ça serait bien si un jour tu perds. Ça serait bien. Ça sortirait vraiment des codes du personnage. Tout à fait, ouais. Là, ça serait un autre papillon, je crois. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bah écoute, ouais, on a dit pas mal de choses. Hein. Non, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir finir là. Donc en vrai, merci beaucoup d'avoir accepté. C'était vraiment super cool. Bah écoute, c'était très sympa, j'ai trouvé ça très sympa. Merci, tu m'as posé des questions intéressantes, c'était super. Et puis j'espère que ça vous aura plu aussi du coup sur YouTube. Ouais, merci beaucoup Antoine, et puis moi je te dis à la prochaine. À la prochaine, merci. Salut.